Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia, merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Nous te louons, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus de tout cœur. Alléluia, nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus de tout cœur. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus, mon roi? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Oh oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Mon Dieu, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons dans le livre des psaumes, au chapitre 103. Psaume, chapitre 103, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint. L'Éternel est grand, grand puissant, il est élevé au-dessus de tous les peuples, on célèbre son nom, grand et redoutable, on célèbre la force du Dieu qui aime la justice. Venez prosternons-nous
et humilions-nous, persissons les genoux devant le Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes son peuple, dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré encore cet après-midi. Nous sommes venus avec beaucoup de reconnaissance à tout endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous te remercions vraiment pour ce que tu es. Nous avons vraiment témoigné que tu étais le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon précieux Seigneur et Sauveur, que tu étais toujours le Jésus, toujours présent. Merci, merci vraiment pour cet après-midi encore, mon Sauveur. Nous sommes revenus dans ta maison à toi pour te dire combien tu es tellement grand. Merci, merci du fin fond de notre cœur. Merci Père pour tout ce que tu as accompli dans notre vie, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous réalisons combien, Seigneur, il nous était vraiment important de nous tenir vraiment dans ta présence. Et tu as confirmé que tu es vraiment vivant, que tu témoignes, Père du Saint, que tu parles encore. Seigneur, tu nous conduis dans des verts pâturages, mon roi. Tu es vraiment précieux pour nos pères. Cet après-midi encore, nous redonnons encore nos cœurs à toi, Seigneur, pour te dire réellement combien nous avons besoin de toi. Continue davantage d'agir encore, Seigneur, de nous maintenir encore, Père Tubissant, oh Dieu, sous ta main puissante, mon roi, afin que nous ne puissions pas nous égarer, ni dans la pensée, ni dans la marche, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi et nous voulons vraiment nous accrocher encore davantage à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et t'aimer encore davantage et plus encore, mon Sauveur, que tu sois vraiment exalté. Merci, merci vraiment, Père Saint, du fin fond de notre cœur, mon roi, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Tu as fait vraiment des grandes choses, mon roi. Nous en sommes témoins, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, mon roi, bénis ton peuple, partout où il se trouve encore, pas du puissant, ceux qui étaient en connexion, qui les sont encore. Aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, sois béni, Père. Combien nous avons été aussi touchés, Père, de voir ces dons que tu manifestes parmi nous encore, mon Sauveur. Nous le prenons avec reconnaissance, mon roi. Nous avons prié pour ces enfants, c'est merveilleux, Père, de voir cette grâce, mon roi. Souviens-toi de Anna, Père, que tu la bénisses, Père Saint, que tu la fortifies, mon roi, que tu la gardes, mon roi, que rien de mal ne puisse l'approcher, Seigneur, qu'elle soit préservée pour aussi aider les autres, mon roi. Je te remercie pour chaque enfant, Père. Combien c'est vrai qu'ils grandissent effectivement dans ta parole, que les diables se tiennent tellement loin, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que nos enfants puissent encore te louer, Père Dieu. Merci pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux. Merci pour notre précieux frère Christian, que tu le oignes encore davantage, que tu le fortifies, le soutenir, Père Tubissant, et sa famille aussi également, Père Tubissant, ses enfants, son épouse. Souviens-toi de lui, Père Saint-Dieu, mon précieux frère Rosario, mon précieux frère Zaché, bien-aimé Père Tubissant, oh, dans la force dans laquelle ils sont, qu'ils te le bénissent, Père, qu'ils soient toujours vaillants pour te servir, mon frère Jonas, Père Tubissant, Dieu. Seigneur, je ne veux pas oublier mon frère José, chacun d'eux, Père Saint-Dieu, tous qui travaillent en cet endroit, Seigneur, la chorale, les frères et sœurs qui chantent, qui te louent, qui témoigne, Seigneur, bénis ma sœur Rosalie, qui chaque fois, Sauveur béni, elle est toujours là pour chanter les chants d'Ition pour ta gloire. Oui, Père, je t'en suis reconnaissant pour chaque frère et chaque sœur, Père Tubissant, qui passe en cet endroit pour te chanter, Père, de tout son cœur. Renouvelle encore davantage. Mon Dieu, souviens-toi de nos Père Saint-Dieu. Nous avons besoin de toi. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Notre vie, Père Tubissant, Dieu, n'a de sens que quand toi tu es là, mon Sauveur. Je te suis reconnaissant, Père Dieu, pour toutes ces sœurs qui prient, pour toutes ces frères. C'est vrai, tu es vraiment Dieu qui conduit encore, qui soutient, qui faut ici. Nous voulons vraiment être à toi et comme toi tu le veux, Seigneur. Pardonne et merci, Père, pour ton soutien, ton secours, mon roi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu conduis encore aujourd'hui. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Qu'il vous fortifie encore. Et c'est bon de se retrouver encore. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous le chantons toujours, nous disons qu'il est bon de louer Dieu. Nous remercions vraiment de son soutien. Nous avons besoin de sa main puissante encore dans notre vie, afin qu'il fasse encore davantage de grandes choses comme il l'a fait, il continuera à pouvoir le faire. J'ai eu un témoignage de l'étranger, c'est notre... la sœur de notre sœur Élodie, elle s'appelle Rosine, je pense, là, Rosine. Elle m'avait
appelé, envoyé un message qu'il avait un problème vraiment très sérieux de santé depuis donc très longtemps. Et lorsque nous avons eu à pouvoir avoir ce jour d'hier, sa sœur, notre sœur Elodie, l'a envoyé un message pour dire que c'est aussi un jour spécial aussi. Alors, elle m'a appelé, elle m'a écrit pour me dire que c'est depuis des années, je crois longtemps, qu'elle a eu des problèmes de santé, c'est-à-dire que dans son ventre, c'est comme si c'était un serpent qui circulait. Et la chose bougeait tout le temps, continuellement, il en souffrait évidemment aussi. Alors, pour être apaisé, on lui donnait quelques comprimés qu'elle pouvait prendre, et elle prenait, alors ça s'est calmé un peu, puis ça recommençait, effectivement. Donc chaque fois, il fallait, avant d'aller dormir, et même à certains moments, il faut toujours prendre un comprimé, mais ça n'arrangeait pas sa situation. Et puis, elle avait aussi dans son corps, enfin, des choses comme la tête qui chauffait, je crois qu'elle avait, elle n'était pas tellement très bien, ça montait, ça faisait que si. Donc tout ce temps-là, il ne faisait que souffrir, en fait. Alors, elle a demandé que on prie pour elle. Le Seigneur est bon. Amen. Elle m'a envoyé un message aujourd'hui. Il dit, hier, quand j'ai voulu m'endormir, j'ai senti que quelque chose bougeait. Et puis, j'ai cherché mon comprimé, je n'ai pas trouvé le comprimé. J'ai dit, je n'aurai pas de soulagement, mais je sais que comme on a prié pour moi, etc. Alors il dit, je m'allonge quand même. Il dit, je me suis allongé. Quand je me suis allongé, je me suis levé, je me suis réveillé. Il dit, même la chose qui bougeait dans le ventre, complètement disparue. Même mon état tout entier, où j'avais des douleurs énormes, complètement disparu. Il dit, aujourd'hui, je me réveille comme une personne tout à fait nouvelle. Je n'ai plus besoin de quoi que ce soit, comme comprimé ou ceci, c'est cela. Elle remercie vraiment le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur. Alors, je lui ai posé la question de pouvoir savoir. C'est Jésus-là qui a fait ce qu'il a fait pour toi, évidemment. Est-ce que vraiment tu veux l'accepter comme ton sauveur personnel? Vous savez, les gens s'approchent de vous, mais il faut aussi savoir quelle foi ils ont. En qui ils ont réellement cru, en fait. Il dit, puisque tu l'as vu, ce qu'il a fait, il a la capacité de pouvoir même ôter. Vous savez, je disais l'autre fois, mon précieux frère, chez mon grand ici, dans mon bureau, quand il l'a envoyé cette requête, si j'ai dit, il y a des gens qui sont vraiment possédés par des démons, en fait. Lorsque je suis parti en Haïti, vous connaissez, c'était un pays de vaudou. Il y avait une femme aussi qui est venue donc à La Réunion, dans la province où j'y suis allé pour aller apporter la parole de Dieu. Et cette femme, elle avait vraiment un serpent qui circulait à l'intérieur. Ils sont allés avec elle chez les vaudous pour faire sortir ce serpent. C'est ce que je vous dis, vrai. Parce qu'ils sont partis là-bas pour faire des cérémonies. On a fait tout. Les serpents étaient là. Elle a vécu avec ça tout le temps. Et les jours où je suis arrivé, effectivement, et ils ont demandé s'il y avait des gens qui étaient malades, qui avaient des problèmes de santé, qui puissent donc avancer beaucoup prier pour eux. Et cette femme-là, qui avait ce serpent-là qui bougeait à son intérieur, qui travaillait, elle est aussi avancée pour que je prie pour elle. C'était une possession. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur. Et qui bouge, je pense, parfois, vous voyez, mais parce que la sœur Elodie, il dit, ça circule comme ça. Donc, de l'intérieur, effectivement, aussi. Et elle aussi, c'était la même chose, évidemment. Mais vraiment, là, c'était vraiment, on voit encore la chose qui était à l'intérieur. Elle s'est avancée, effectivement, et j'ai prié pour elle, chassant, effectivement, cet esprit. Je vous dis la vérité, le lendemain, cette femme n'avait plus jamais eu cette situation, effectivement, dans sa propre vie, en fait. Il y a des possessions comme ça, en fait. Oui. Qui prennent, effectivement, aussi des gens, mais quand une personne reconnaît, effectivement, que la puissance qui existe, c'est celle du Seigneur Jésus,
et que l'on prie pour la personne et la chose s'en va aussi. C'est le cas aussi de notre sœur, donc la sœur. Alors je lui ai posé cette question. Est-ce que tu l'acceptes effectivement comme ton sauveur personnel? C'est lui qui a la puissance, la capacité de pouvoir agir dans ta vie. Vous connaissez la réponse? Elle a dit, c'est de tout mon cœur que je reçois le Seigneur Jésus-Christ et qu'il puisse être mon maître, effectivement, aussi qu'il agisse. Et je priais pour elle. Je remercie le Seigneur, notre Dieu, parce que nous sommes ici. Elle est au Burkina. Et la personne a souffert tellement des années. Du simplement la foi qu'elle a eue dans le Seigneur. Lointain, je n'étais pas là pour lui imposer la main. Mais la foi simplement en Saint Jésus. S'il peut faire cela pour quelqu'un qui est loin, à combien plus forte raison il peut le faire aussi pour nous? Hier, il était présent. Dieu te bénisse. Mon frère et ma soeur, c'est Jésus a fait déjà quelque chose pour vous. Nous l'avons entendu. Et ça, ça m'a consolé moi-même. Dieu a sa façon de parler. Les colis qui étaient envoyés. Mon frère, ma soeur, il faut que ça retourne à l'expéditeur. Même quand tu vois le médecin dit j'ai vu, monsieur, tu n'as rien vu. Moi, ce colis-là n'est plus à moi. Il doit retourner chez l'expéditeur. On s'est vraiment trompé de nom et d'adresse. La Bible nous dit que résister à Satan d'une fois ferme, elle fuira loin de vous. Dieu fait de grandes choses dans votre vie, mais vous ne l'apercevez pas. Regardez simplement les jours à venir. Vous vouliez qu'il puisse vous voindre, il l'a fait. Vous voulez qu'il puisse vous guérir, il l'a fait. S'il est venu, ce n'était pas pour rien. Il est venu parce que tu le désirais. C'est pour ça que tout ce temps ici, notre façon de faire les choses doit complètement changer. Revenir effectivement aussi, être reconnaissant au Seigneur dans notre manière de pouvoir. Frères et sœurs, Jésus est vivant. Nous l'avons expérimenté. Il est vivant et nous savons qu'il est vivant. Alors s'il est vivant, accrochons-nous de lui, de tout notre cœur. Il le fera encore davantage. Qu'il bénisse aussi notre sœur Dorine. Oui, il m'a rendu son témoignage, effectivement. Il dit, depuis quand nous avons quitté ici, elle n'a pas cessé de pouvoir pleurer parce qu'elle dit, mais je regrette, mon Dieu, comment je me suis tellement confié à des choses inutiles. Je ne voyais pas cela, mais il a fallu que ces jours-là arrivent, hein, pour que je puisse voir que j'étais tellement dans les choses inutiles. Et on pensait qu'on était bien. Et ses yeux sont ouverts et la flamme a été donc déclenchée dans son âme. Elle prie que Dieu continue à maintenir ses ailes, effectivement. Je pense que c'est le cas de vous tous. Amen. C'est pour ça que nous sommes appelés à pouvoir lui dire merci de tout notre cœur, de reconnaissance. Ne repensez plus à quoi que ce soit. Je souffrais de ceci, je souffrais de cela. Non. Lèvez les yeux vers lui. Oui. C'est cela, oui. Donc on doit simplement lever les yeux vers lui et le remercier. Même pour vos études, même pour tout ce qui vous concerne. Le Seigneur, notre Dieu, a étendu. Nous allons le remercier. Remercier pour ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il a fait aussi pour les autres qui sont en connexion, ce qu'il a fait dans chaque maison aussi, qu'il soit béni. Tendre Père, précieux Sauveur, me voici encore devant ton trône de grâce, mon Seigneur, pour te dire merci. Merci vraiment pour ce que tu as fait. Merci vraiment pour ce que tu continues à pouvoir faire. Nous te remercions pour la sœur de notre sœur Élodie qui elle-même a rendu ce témoignage, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, de ta puissance à toi, mon bien-aimé Père Dieu, qui libère vraiment les captifs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et pour nous tous aussi, bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, je te remercie pour la force que tu m'as donnée aussi, bien-aimé Père Tissant. Merci encore de m'avoir élevé encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci d'avoir élevé mon frère, élevé ma sœur.
Relevez pas du mission, Dieu, nous qui étions tellement dans un état de faiblesse, mon bénémoine, pas du mission, mais tu as eu à pouvoir agir encore pour nos pères. Nous te remercions de tout notre cœur, mon roi, pour ta présence divine, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, qui ne fait jamais défaut, mon bénémoine, pas du mission. Nous nous tiendrons, pas du mission, Dieu, pour toi. Nous marcherons avec toi. Oh, pas du mission, tous les temps d'être, nous la tiendrons, mon bénémoine, pas du mission, Dieu. Nous n'avons besoin que de toi, mon bénémoine, pas du mission, notre Seigneur Jésus, notre secours et notre soutien. Oh, gloire à toi, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu. Il n'y a que pour ton Père, mon bénémoine, Père Tibissant, que nous prions pour que ceux qui sont à toi, bénémoine, Père Tibissant, ceux qui s'appellent de ton nom, soient vraiment ramenés encore, mon bénémoine, Père Tibissant. Oh Dieu, sois ramené, Père Tibissant Dieu, pour pouvoir te servir. Voir également aussi, Père Tibissant Dieu, s'accrocher à toi. Entendre ta voix, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu. Et s'aligner, bénémoine, Père Tibissant Dieu, à ta volonté, Seigneur. Nous sommes à toi, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu. Et nous sommes ramenés par toi, mon bénémoine, Père Tibissant Dieu. Merci pour ce que tu as fait. Merci encore pour les guérisons, pour les délivrances, mon bénémoine Père Tibissant, pour ta visitation encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te demandons grâce encore davantage, mon roi, que tu puisses encore davantage, Père Tibissant Dieu, continuer à pouvoir agir encore pour nous, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous nous sommes accrochés à toi, mon bénémoine Père Tibissant. Nous voulons pas te lâcher, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons plus revenir à la souillure, mon bénémoine Père Tibissant, dans laquelle nous étions, mon bénémoine Père Tibissant, ni à des habitudes aussi mauvaises, Père Tibissant Dieu. Que nous avions, bénémoine, Père Tibissant. Nous te voulons, Père Tibissant Dieu, dans la sainteté comme tu le veux, bénémoine, Père Tibissant Dieu, dans la pureté, mon bénémoine, Père Tibissant. Et nos louanges montons envers toi, bénémoine, Père Tibissant, avec des cris de joie, de reconnaissance, mon bénémoine, Seigneur. Oh, prépare nos cœurs encore davantage, mon roi. Oh, Dieu, fais de nous ce que tu veux, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, mon bénémoine, Père Saint Dieu. Merci encore pour tes compassions, mon bénémoine, Père Tibissant. Merci encore pour tes consolations, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui console, qui soutient, qui fortifie, mon roi. Oh, l'étoile brillante du matin, mon bénémoine Père Saint-Dieu, qui donne encore et qui donne encore, mon sauveur. Ah, nous sommes revenus à toi, nous. Te disons merci, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous te pleurons la grâce, mon sauveur, d'être avec nous et nous soutenir encore, mon bénémoine Père Saint-Dieu, d'agir encore, mon sauveur, bénémoine Père. À toi la gloire. L'honneur, la puissance et la victoire. Nous chanterons les chants de Sion pour ta gloire. Nous t'exalterons, mon sauveur. Merci. Merci, mon sauveur. Béni soit ton Saint-Nom. Louange à toi. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je pense que notre frère Philippe et notre soeur Lily sont arrivés. Que le Seigneur le bénisse. Soyez les bienvenus. Et notre frère Marcelin et les autres sont en chemin. Ils ont eu un problème. Je crois que notre précieux frère a prié pour cela. Ils sont en chemin et probablement qu'ils vont arriver d'ici là, s'ils nous trouvent encore ici. Mais nous avons prié pour eux. Que Dieu puisse vraiment venir et les protéger aussi, les fortifier. Nous allons nous lever pour lire dans le livre de Ésaïe. Au chapitre 55. Wow. Ésaïe 55. Lisons au verset 6. Il nous dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Précieux Sauveur et tendre Père, nous voulons te dire encore merci cet après-midi, Père, pour la grâce que nous avons de revenir encore dans ta maison, Père. Nous sommes consolés. Nous nous réjouissons, Père Saint-Dieu, de pouvoir avoir des moments comme ceci. C'est là aussi que nous t'implorons la grâce de pouvoir aussi nous instruire pour que réellement nous puissions emboîter les pas dans ta volonté à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Accorde-nous cette grâce, mon bien-aimé Père Tibissant, de pouvoir vraiment connaître davantage ta volonté pour que nous puissions nous appliquer à la mettre en pratique. Nous savons qu'avec toi, nous réussirons. Sois béni et sois glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est
C'est une annonce et une invitation, effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, nous fait. Dans un temps comme celui-ci, dans une période dans laquelle nous trouvons, il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait, parce que nous devons être conscients que Satan et ses démons, ils savent, ils se rendent compte qu'effectivement, que c'est vraiment la fin pour eux. Quand on était encore au moment où Adam était chassé du jardin d'Éden, et puis la période en fait qui a suivi, ils avaient beaucoup de temps. Ils pouvaient réellement se permettre énormément. C'est pour ça que vous voyez comment cette période était effectivement. Malgré qu'ils faisaient, mais ils savaient, ils se disaient quand même que nous avons beaucoup de temps. Mais maintenant là, Satan, il est vraiment dans un état avec tous ses démons. Il se rend compte qu'effectivement, que, il n'a plus beaucoup de temps. C'est écrit dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que vous pouvez remarquer, réaliser aussi que l'âge de Laodicée, il est vraiment différent, effectivement, de tous les autres âges. Parce que c'est vraiment la fin. Et comme c'est Dieu lui-même qui a eu à pouvoir déterminer qu'effectivement, que bon, maintenant, la récréation est terminée, je crois que la nature entière, les cieux aussi, réalisent qu'effectivement, que c'est la fin. Parce que vous réalisez, frères et sœurs, que quand Dieu est sorti effectivement dans son espace dans lequel il était, parce que la Bible ne peut savoir que Dieu est esprit. Alors, comme il est esprit, effectivement, il fallait maintenant qu'il puisse manifester ce qu'il est en tant que Dieu, donc la tribu donc des créateurs. Donc, il est sorti effectivement pour arriver à pouvoir manifester donc la création. Et la parole nous fait savoir qu'il créa les cieux et la terre. Parce qu'il a dit lui-même que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Donc il fallait d'abord qu'il ait son trône et puis qu'il puisse aussi avoir donc son marchepied. C'est pour ça que... vous vous souvenez, je pense, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais dans le livre de Job, il dit quand Job a parlé, effectivement, quand il passait ces moments difficiles en réalité, comme vous l'avez su, il a beaucoup parlé aussi, il a beaucoup dit aussi comment il était juste, comment il a eu à pouvoir défendre, effectivement. Et puis Dieu vient du Seigneur, lui dit que qui est celui qui a la folie d'obscurcir sur mes desseins? Où étais-tu donc quand je fondais la terre, lorsque les fils de Dieu poussaient des cris de joie, effectivement, cela. Donc, les anges, effectivement, voyez-vous, cette période, effectivement, c'était un moment tout à fait, et les anges ont été criés, en fait. Et comme Dieu a eu à pouvoir crier, effectivement, toutes ces choses, effectivement, aussi, qu'il a déployé aussi la terre, c'était un moment tout à fait extraordinaire de voir en fait comment Dieu déployait en fait la création qui venait. Comme vous le savez, il a créé les cieux et la terre, il a créé aussi la terre. Tout ça, il a fait par sa parole. Et chaque fois qu'il disait, on voyait quelque chose d'autre. Chaque fois qu'il parlait, effectivement, on voyait la chose. Quand il disait, effectivement, donc... je crois que ces anges qui ont été donc créés et déployés, effectivement, ils étaient émerveillés de voir la puissance que revêtait en fait leur Dieu. Parce qu'il dit, c'était leur Seigneur, il était là, effectivement. C'est-à-dire qu'il a une telle puissance que lorsqu'il dit, on voit que la chose se forme. Vous vous souvenez, lorsque nous avons lu les Saintes Écritures, effectivement, la Bible nous dit que, il dit que les eaux produisent des poissons de toute espèce. Il n'a pas pris un poisson pour l'accoupler avec d'autres poissons pour qu'effectivement qu'il puisse produire les poissons. Non. Il a simplement dit. Alors, on voit le poisson qui se multiplie. C'est pour ça qu'on dit qu'il est admirable. Conseiller. Donc, effectivement, ils étaient dans l'admiration de voir une telle puissance, quelque chose qui dit, mais non, mais il ne fabrique pas parce que nous, on peut fabriquer.
Mais lui, il se tient là. Et il dit effectivement que chaque semence produit selon son espèce. Et on voit la chose. Qu'il y ait donc des luminaires. Il parle. Hein? Et alors on voit le soleil qui se crée, qui apparaît. Vous savez, frères et sœurs, les scientifiques, ils étudient, ils disent comment c'est, comment il fait. Mais il a simplement déclaré. Donc on voyait la puissance tellement extraordinaire de cet être suprême. Et puis chaque chose qu'il prononçait, on le voyait. Mais la chose en question, quand elle s'est manifestée, elle était d'une perfection. Alléluia, amen. Qu'on ne peut pas dire, bon, il a manqué ceci qu'on peut... Non. Chaque chose qu'il disait, effectivement, puis qui sortait de la bouche, quand cela s'est manifesté, c'était toujours parfait. Dans tout le moindre détail, il n'y avait rien à retirer, ni rien à ajouter, effectivement. Et la chose se mettait à sa juste place. Comme si la chose avait l'esprit, ok, et pensait, effectivement, en fait, la puissance de Dieu coordonnait et plaçait la chose, et la chose restait là, dans l'obéissance de ce que Dieu a eu à pouvoir, effectivement, donc, déployer. Donc, c'est là, démontré. Et puis, certainement, c'est vrai, hein, comment le jardin d'Éden était aussi créé aussi, et surtout, quand il a aussi... Parce que, qui pouvait, même parmi les gens, qui pouvait penser que des animaux peuvent exister? Parce que personne n'avait jamais... Mais vraiment, ni même dans la... Non, Dieu est grand. Donc, il a dit qu'il y ait donc des animaux de toute espèce. Hein? Donc maintenant, c'est pour ça qu'on a des vaches, on a des ceci. Regarde la nature, comment c'est. Les girafes, les ceci, les cela. Donc tout cela, effectivement, simplement parce qu'il les a déclarés. Alors, on voyait effectivement, c'est-à-dire que chaque chose qu'il faisait, mais c'est quand même extraordinaire. Il avait tout ça en lui. Non, Dieu est grand. Non, il est vraiment digne de louange, digne d'adoration, mais digne de beaucoup de respect. Vraiment un respect profond. Et surtout que quand maintenant nous sommes appelés à pouvoir l'adorer, quand nous pouvons considérer sa grandeur, alors c'est comme ça que nous approcherons avec crainte, humilité et vraiment dépendance en fait. Et avec supplication, avec action de grâce. Nous le supplions, en fait, dans son état, parce que... Et puis, si on réfléchit un tout petit peu, qu'est-ce que moi, je peux donner comme conseil à Dieu? Ou qu'est-ce que moi, je peux dire à Dieu de pouvoir faire? Regardez, frères et sœurs. C'est pour ça que nous pouvons comprendre, c'est que nous comprenons, parce que nous pouvons comprendre que quand le Seigneur, notre Dieu, on lui a posé la question, est-ce qu'il a dit, il me dit, mais enseigne-nous aussi, parce que j'ai enseigné à ses disciples de pouvoir prier. Enseigne-nous à pouvoir prier aussi. Vous vous souvenez? Il dit, mais quand vous priez, ne multipliez pas de 20 redites, de 20 céciles, ça ne sert à rien. Pour quelle raison? Parce que, avant même que vous demandiez quelque chose, avant, c'est vrai, avant même que toi tu t'assieds pour prier, Dieu sait. C'est parce qu'il est Dieu. Il sait ce que toi tu vas lui demander. Il sait ce dont toi tu as besoin. Et pour ça, vous ne remarquez pas comment il nous a enseigné la prière. Hein? Il dit, notre Père. Donc, nous devons toujours reconnaître qu'il est vraiment notre Père. Amen. Et oui, que ton nom soit, que ton règne, est-ce que vous vous rendez compte? Hein? Tu commences pas à pouvoir, Seigneur, Dieu, et fais ceci pour moi, ceci, non, donc ça dit qu'il sait. Amen. Mais toi, adore-le. Amen. Toi, reconnais ce qu'il est, effectivement, pour toi. Alors, le reste, effectivement, il fera réalité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cette partie-là est toujours aussi importante, effectivement, parce que si toi, tu ne pardonnes pas quelqu'un d'autre, et la Bible insiste bien, de tout ton cœur, Dieu non plus ne peut pas te pardonner.
Frères et sœurs, nous apprenons de notre Dieu comment nous devons marcher avec lui, comment nous devons le servir, comment nous devons le prier, effectivement, comment nous devons l'adorer. Et voilà que lorsque il a déployé cela, on le regardait pour voir encore, parce que bon, il a fait tellement la chose la plus grande, et puis il a déployé la terre, parce qu'il pouvait voir effectivement tout ce qu'il y a effectivement aussi, et puis tout ce qu'il a fait pousser, la mer, tout ça, les océans, ceci et cela. Il a déployé, et même il a donné des limites, effectivement, aussi, pour que... Bien sûr. Vous pouvez voir qu'effectivement que les océans ils peuvent pousser et tout ça, les tsunamis, vous voyez, non? Et puis ils font quoi? Ils reviennent. Sinon ils pouvaient dire, bon, nous avons fait notre tsunami, nous restons là. Nous vous avons inondé, nous restons là. Non, tu as fait, mais tu retournes où je t'ai donné des limites. Bien sûr, mon frère. Même la pierre, vous savez cela. Même la pierre, vous pensez, mais il a même dit, hein, parce que vous direz, oh frère, quand même, tu vas exagérer. Non, je n'exagère rien. N'est-ce pas ce qu'il a dit, mais si vous vous taisez, si vous vous taisez, les pierres crieront. Donc les pierres parlent alors. Frère, vous vous souvenez ce qu'il a dit à Moïse? La première fois, Moïse devait frapper le rocher. Mais maintenant, il dit non, c'est fini ça. Parle-lui. Alléluia. S'il dit parle-lui, parle au rocher, ce que le rocher a des oreilles. Alléluia. Vous vous rendez compte, bien-aimés frères et sœurs, on va parler sur ce soir, demain on a réunion. Demain, ah oui, nous avons réunion aujourd'hui. Demain on va continuer. Une chose qu'on ne pouvait jamais imaginer. Et il a fait encore. Amen. Dans la démence de ses prophètes. Balaam. Il était là sous l'âne, pas capable. À 9 ans, il a dit, c'est bien que l'âne ne parlera pas. Il était convaincu. Mais Dieu a fait une chose extraordinaire. Non. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'âne, un animal qui ne parle pas. Il fait, il parle pas. Il n'a pas la langue, effectivement. Il n'a pas l'esprit pour penser, pour faire les phrases. Alléluia. J'aime Dieu, frère. Il peut faire l'impossible. Notre Dieu n'est pas limité par quelque chose, mon frère. Il est l'éternel. Comprenez donc l'éternel, ni commencement, ni fin. Donc il n'y a rien qu'on peut arriver à pouvoir dire ça, ça ne peut pas se faire. Non, c'est pour ça que nous devons toujours avoir, nous prions pour que Dieu augmente la foi. Seigneur, que la foi, parce qu'il nous a dit, que nous devons vivre toujours par la foi. Pas par la vue, mais par la foi. Donc il faut que cette foi augmente davantage pour qu'il puisse toujours croire même la chose qu'il ne voit pas, même si on lui dit, mais il croit toujours parce que Dieu l'a dit, alors je reste là-dedans. C'est pour ça que nous l'adorons, effectivement. Alors, Balaam, effectivement, dans son empressement, parce qu'il aimait tellement des cadeaux, il aimait tellement l'argent, c'est pour ça. Là, il s'entend dans sa démence, effectivement, pouvoir vouloir la gloire et tout ça. Il tapait là, parce qu'il disait, mais c'est un ici. Il était pressé pour aller chercher des cadeaux qu'il y en a. Et il y en a. Alors, l'ange de l'éternel s'est mis devant. Vous vous rendez compte, un prophète qui ne pouvait même pas voir l'ange de l'éternel devant, qui ne sentait même plus la présence. Il sentait, non, c'est pas possible. Parce que quand tu sers Dieu quand même, et quand la présence de Dieu là, tu sens que non, ici, je ne peux pas bouger, aller n'importe comment, je m'incline. Parce que ça remplit, on dit, mais je m'incline. Lui est un prophète. À cause de quoi? Aveuglé déjà par la gloire, par les présents, parce qu'il attendait les honneurs qu'on allait donner là-bas. C'est Balak, vous vous souvenez, non? Parce qu'il avait les désirs, Balak avait les désirs qu'on maudisse le peuple d'Israël. Mais comment toi, tu peux maudire celui que Dieu a béni? Alors, il frappait. Et puis, il pousse encore. Ah non, regardez comment cela s'est passé. Dieu est grand. L'âne
C'est parce qu'ils étaient dans un chemin qui était un peu étroit comme ça pour passer devant. Et l'ange de l'Éternel était devant, là il s'était né. Pour quand même empêcher cet homme ici de ne pas continuer son chemin. Franchement. Mais têtu. Mais surtout pour les présents. C'est pour ça, faites attention. La gloire, l'argent, les tout ça. Ne vous souciez pas toujours de l'argent, c'est vrai. Nous pouvons les avoir, ça partira. Mais quand nous n'en avons pas, nous prions, Dieu va nous donner. Mais ce que Dieu, j'ai dit comme, je crois que c'était Salomon qui priait, oh Seigneur, ne me donne pas de trop. Qui peut dire cela aujourd'hui? C'est vrai, frère, soyons sincères. Qui peut dire, Seigneur, ne me donne pas de trop. Parce que si j'ai de trop, je vais t'oublier. Si nous pouvons prier comme ça. Vous savez, frère, Dieu aime celui qui est juste et droit et qui parle vraiment la vérité, sinon. C'est vrai. Mais quand tu pries comme ça, Dieu va encore faire plus pour toi. Ne m'en prive pas, Seigneur, de peur que je puisse te renier. Vous comprenez cela? Tu connais l'homme. Bon, bref. Alors, pendant qu'ils sont pressés, effectivement, comme ça, ils ne voyaient pas l'ange de l'Éternel qui était devant. Mais ils sentent qu'il tape l'âne. L'âne n'avance pas. Puis l'âne fait quoi? Il coince son pied contre le mur. C'est vrai. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Il commence à crier. En fait, l'âne coinçait son pied pour qu'il ouvre bien les yeux pour qu'il est devant lui. Il faut comprendre pourquoi, parce que je ne parle pas, mais je n'avance pas parce que devant moi, oh non, je vois l'ange de l'Éternel. Donc, là, l'âne, donc, cette bête-là, a pu voir l'ange de l'Éternel. Le prophète qui était soumis, avance, il ne voyait rien. Lui, il était dans sa pensée, il allait briller pour tout ce qu'on lui attendait là-bas, qu'on lui va venir chercher. Oui, les gars. Il frappe encore dans la balle. L'âne coince encore de l'autre côté. Il dit, mais qu'est-ce qu'il me fait, toi, tu... Il dit, mais il frappe encore. Et puis, soudain, Dieu maintenant fait parler. Donc l'âne reçoit donc la parole. Mon Dieu est grand. L'âne reçoit donc l'intelligence. Parce qu'avec la parole, l'intelligence, non? Oui, comme qui? Comme un homme. Alors il dit, mais tu me frappes. Oui, il dit, mais tu me frappes. Est-ce que moi j'étais toujours désobéi? Frère, cet homme était tellement aveuglé qu'il ne se rend pas compte que l'âne a commencé à parler. Il a continué à discuter avec l'âne. Il dit, mais parce que tu n'avances pas. Il aurait pas dit, aïe, 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 tu parles. Mais non, lui dit, mais parce que tu n'avances pas. L'âne lui dit, mais j'ai toujours obéi. Mais si j'ai fait ce que je fais, tu ne vois pas devant toi. Ah oui, mais c'est pas, je ne peux pas avancer. Il y a quelqu'un devant toi, regarde bien devant. Oui, c'est vrai. C'est à ce moment-là que le Seigneur lui ouvrit les yeux. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il vit l'ange. L'ange lui dit, si l'âne ne t'avait pas épargné, toi, tu serais passé. T'as que t'as... Oui, bien sûr. Oh, l'Éternel. Il dit, mais c'est parce que l'âne m'avait vu. Vous vous rendez compte? L'ange dit, mais c'est parce que l'âne m'avait vu. Mais toi, tu étais aveuglé. Et tu poussais l'âne. Tu poussais l'âne, effectivement. Si. Mais l'âne a parlé. Dieu a donné l'occasion à l'âne de pouvoir parler pour te dire que tu as la démence. C'est pas possible que tu arrives à cet état, effectivement, et que tu discutes en plus avec l'âne. Pour voir les degrés de la foi. Bref, c'est pour dire que notre Dieu a la capacité de faire beaucoup de choses. Alors, lorsqu'il a déployé effectivement la terre, toujours par sa parole, effectivement, juste en parlant, c'est pour ça que nous comprenons tous, nous sommes appelés à pouvoir comprendre que dans Jean au chapitre 1, que nous répétons souvent, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était, et toutes choses ont été faites par,
Bien sûr. Ça veut dire que toi et moi ici, même si ça nous coûte, nous devons réaliser que pour moi, pour ma vie, pour arriver à ce que Dieu veut que j'y arrive, j'ai besoin de l'aide de la parole de Dieu. Sans elle, dans ma vie, je n'atteindrai nulle part. C'est pourquoi tout ce qui est falsifié, tout ce que l'homme peut arriver à pouvoir ajouter, doit être pour vous quelque chose qui soit d'un rejet profond. Parce que ça ne vous aidera jamais à rien. Il faut que vous compreniez cela même dans le monde de manière tout à fait naturelle. Il faut comprendre effectivement. C'est pour ça que quand on vous dit frères et sœurs, c'est pas moi qui dis, mais le Seigneur nous le dit ici. Nous l'avons entendu aussi hier. Il faut toujours pas comprendre mal les choses. Il faut être un fils de Dieu pour comprendre que c'est Dieu qui te parle. Pas que tu puisses avoir l'intérieur. Il dit, mais comment croiront-ils en ce dont ils n'ont pas entendu parler? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas, comment y aura-t-il, c'est un autre. S'ils ne sont pas donc, il faut d'abord quelqu'un qui prêche. Comment est-il les prédicateurs s'ils ne sont pas? Donc, alors, les prédicateurs, il peut y en avoir beaucoup. N'oubliez pas ceci, mon frère et ma soeur. C'est toujours par le moyen de la bouche qui parle que la déviation vient. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous montrer quelque chose. Si nous retournons en arrière, dans les jardins d'Éden, il y a eu deux prédicateurs. Le premier, c'était Dieu lui-même. Il est venu, il a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jours où tu en mangeras, tu mourras. Suivez? Et puis quand le Seigneur s'est éloigné, il y a eu un deuxième prédicateur qui est venu lui. Toujours quoi? Avec la bouche, non? Il est aussi venu aussi pour pouvoir prêcher. Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? C'est la parole, non? C'est la prédication, non? Mais Dieu avait donné sa parole. Il a prêché, il a dit à Adam ce qu'il fallait faire. Il lui a donné sa parole. Mais l'autre prédicateur est venu pour maintenant donner du sucre. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça que la Bible nous fait comprendre qu'ils se donneront une foule de docteurs. Ayant la démangeaison d'entendre les choses qui leur plaisent, effectivement. Vous comprenez cela? Qu'est-ce que ce prédicateur-là a fait? Il vient, il dit à Ève, il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Vous comprenez? Donc, il amène toi l'homme, toi la femme, à pouvoir utiliser la chose que tu aimes bien, ton intelligence. C'est souvent ça. Ton intelligence à toi fait de toi que tu te sens bien, que je suis plus intelligent, je comprends mieux. Que les autres. Ça, c'est ce qui fait toi. Bien sûr que oui, vous pouvez nier, mais c'est la vérité. Que Dieu te bénisse. C'est comme ça. C'est-à-dire que moi, je comprends mieux. Et puis, bon, comme je comprends mieux, eh ben, j'ai bien étudié beaucoup. J'ai un bon travail qui fait qu'effectivement, que mon conscient intellectuel, vous me suivez bien, a démontré qu'effectivement, que moi ici, je suis intelligent. C'est le commun naturel de tout le monde. Alors, quand, par exemple, on vient, toi, on touche en te disant, mais tu es vraiment très intelligent, ça te touche. Hein? Ne mentez pas, ne soyez pas muets quand vous êtes super. Non, c'est vrai, c'est la vérité. C'est sûr que oui. Maintenant, si par exemple, parce qu'on dit, si on dit que tu es un imbécile, vous allez faire comment? La réaction, ça va dire, tu ne me prends pas pour un imbécile, tu sais ce que moi j'ai fait comme étude. Maintenant, quand je vous dis que ça vous n'êtes pas, vous dites, ah non, frère, c'est pas, mais c'est vrai. Quand on touche votre intelligence, vous vous sentez élevé. On dit, ce frère-là, il est vraiment très intelligent. Mais si on dit, ce frère-là, c'est un baudet. Vous connaissez un baudet? C'est un sot.
Vous allez voir comment les frères vont être nerveux, ou la sœur va être nerveuse. Vous êtes comme ça. Merci quand même qu'on a compris, accepté. Même si vous ne l'acceptez pas, c'est la vérité. Vous savez bien, c'est vrai. Alors, il est venu avec ça. Fais travailler ton intelligence. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit... Bon, je n'ai pas dit que Dieu veut que vous soyez débordés. Hein. Non, soyons équilibrés pour que demain on dise, ah, moi je ne suis pas intelligent. Non, je n'ai pas dit ça. Comprenez qu'un homme spirituel contrôle tout. Frère Rosario s'occupe, vous me regardez ici. Parce que c'est moi qui suis ici devant. Lui, il est diacre, il s'occupe de tout le monde. Donc, regardez-moi. Donc, c'est dit qu'effectivement, Dieu, c'est pour ça qu'il a ajouté en disant, mais que c'est lui qui a de l'intelligence. C'est glorifié d'avoir de l'intelligence, de me connaître. Vous comprenez? C'est l'équilibre. Donc, lui, il vient. Vous suivez? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, il avance avec quelque chose qui doit être là, qui vous doit vous mettre en valeur. C'est toujours ça. Nous pouvons les lire? Genèse chapitre 3, c'était bien. Voilà. Genèse 3, oui, dit, voilà. Verset 1. Voilà. Rien. Voilà. Chapitre 3, verset 1, il dit, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous entendez la question? Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit, non? Dieu a dit que vous mangerez de tous les arbres du jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien. Puis la femme lui répond, dit bien, dit mon Dieu. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors regardez maintenant. Alors le serpent, il dit à la femme, oh, c'est pas grave, vous ne mourrez point. Voyez-vous les changements? Elle lui dit ce que Dieu lui a dit. Alors maintenant, regarde comment c'est. C'est pas, il était tellement fin. Hein. Il rentre maintenant pour pouvoir maintenant avoir tes sens, tes émotions. Vous comprenez cela? Tes sentiments. C'est pour ça que vous pouvez comprendre que personne n'aimerait la parole de Dieu. À cause de sa nature, en fait. C'est notre... Vous vous souvenez, il y a longtemps de cela, nous en avons parlé, si je vous l'ai dit, ici, il dit, le plus grand obstacle d'un frère ou d'une soeur ou d'un homme, effectivement, c'est pas le frère, c'est pas la soeur, c'est pas le voisin, c'est pas quelqu'un qui a des problèmes, mais c'est lui-même. C'est toi-même. Le plus grand problème de toi, c'est pas l'autre, c'est toi-même. Quand tu arrives à pouvoir dominer toi-même, alors tu as la victoire surtout. Le toi ici, c'est ton grand ennemi, ton grand adversaire. Parce que c'est la proie que tous les démons utilisent pour pouvoir avoir accès à toi. Vous comprenez? Nous continuons. Regarde bien. Alors ça veut dire, mais vous ne mourrez point. Écoutez bien, verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme connaissant les biens et les mal. Alors quand on enlève l'homme à ce stade-là, alors que Dieu ne lui avait pas dit ça. Vous voyez comment on a transformé maintenant dans la prédication. Parce qu'il prêchait, hein. Vous ne pouvez pas me dire qu'il prêchait pas, mais il prêchait. Mais tout que oui. Oui.
Ces démons-là, il est malin. Il a fignolé sa façon de pouvoir faire la vie. Il veut maintenant donner maintenant pour le pousser un peu plus là-bas. Et voilà que, il dit ici, oui, vous ne mourrez pas de peur. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme, vit maintenant que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Pourquoi faire? Est-ce que Dieu lui avait dit à la femme qu'elle serait bodée toute sa vie? Parce que ce que Dieu donne et nous donne, comme nous l'avons entendu, quand Dieu crée, c'est toujours parfait. Et quand Dieu te donne, c'est la meilleure des choses. On ne peut pas ajouter à ce que Dieu a donné, ni même retrancher en fait, parce qu'il ne fait rien à moitié en fait. Et là, regardez bien que agréable à ouvrir l'intelligence. Mais quelle intelligence, s'il vous plaît. Donc, bref, c'est pour que nous comprenions qu'effectivement, que voilà, effectivement, ce que c'est. Cet adversaire, effectivement, était déjà dès les débuts, en fait. Et encore maintenant, à la fin. Il est tellement malin qu'il a fait à profusion. Il a vraiment encore distillé encore davantage. Mais ouf, comme l'homme a eu à pouvoir chercher toujours l'intelligence. C'est pour ça que vous avez des grandes universités bibliques qui sont vraiment là montées, ainsi de suite, effectivement. Et aujourd'hui encore, c'est encore pire que cela, effectivement, parce que les démons ont pris les dessus, effectivement, aussi. Donc, on voit, et comme vous pouvez le voir aussi, effectivement, aussi, à profusion, il n'y a pas une chaîne de télévision que vous pouvez arriver à pouvoir, bien sûr, sur l'Internet, évidemment, aussi, hein, sans voir les prédicateurs qui sont de tous les trous possibles. Tous les trous possibles. Et ça aussi, c'est un piège pour vous. Oui, piège pour vous. Frère, soeur, c'est pour vous. Et vous aurez toujours... Vous savez, c'est comme les moustiques. Hein. Ils viennent toujours en disant... Bien sûr. Vous allez sur Internet, vous allez en avoir à foison. Maintenant, posez-vous la question de pouvoir savoir qu'est-ce que vous cherchez sur Internet. Très sincèrement, qu'est-ce que vous cherchez sur Internet? Vous cherchez des prédications. C'est humain, de toute façon. C'est humain. Vous devez quand même chercher à pouvoir savoir qu'est-ce que l'autre là, comment il prêche, celui-là, comment ça prêche. C'est un droit que vous avez. Mais savez-vous, effectivement, aussi, la source... Et l'origine, effectivement, de la personne qui l'inspire, cette personne-là. Parce que frère et sœur, vous devez comprendre cela. Pour prêcher la parole de Dieu, je vous l'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça peut vous paraître comme quoi que cette personne ici, non, c'est dit, non, je le répète encore, que vous puissiez comprendre. Ce n'est pas donné à tout le monde de prêcher la parole de Dieu. Mais vous, il y a beaucoup de prédicateurs sur Internet aujourd'hui. Ah oui, le choix vous en avez. Si vous voulez celui qui vous permet de pouvoir porter les pantalons, vous le trouverez. Si vous voulez celui qui vous permet de peindre votre visage et dire que ce n'est pas un péché, vous le trouverez. Si vous voulez celui qui vous dit que vous pouvez faire ceci, vous le trouverez. Parce que nous sommes à la fin des temps. Et le diable, lui aussi, il en a aiguisé aussi les siens. Vous vous souvenez quand nous avons pris les tableaux ici avec la bonne semence et l'ivraie. C'était tellement si près. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, que son nom soit béni, il a dit ceci, effectivement, qu'il serait tellement si près que toi-même, avec ton intelligence, tu ne peux même pas le voir. Si le Seigneur l'a dit, c'est la vérité. Ce serait tellement si près.
Et puis il a ajouté que les élus seraient séduits si cela était possible. Parce que si un élu est séduit, alors là, c'est très grave. Pourquoi? Parce que l'élu a été élu pour pouvoir manifester la vérité sur la terre. Et si la fausseté rentre effectivement, il n'est plus un élu. C'est pour ça que Dieu veille sur des élus. Oui, monsieur, on peut faire tout avec l'espace extérieur, mais là, à l'intérieur, on ne peut pas toucher. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Ça, c'est pour un élu. Hein. Il n'y a pas d'issue possible que Satan arrive à rentrer dedans. Parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Vous savez ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que vous me voyez, frère et sœur. Je ne m'inquiète pas. Quelqu'un peut venir ici, même chez vous à la maison, vous distribuez toutes ces prédications. Si vous vous en allez, je sais très bien que vous n'êtes pas de Dieu. Mais je sais une chose, qu'un élu de Dieu, impossible. Non, frère, si toi, frère, toi, soeur, tu es flottant, l'impasse, tu commences à dire, ah, est-ce qu'il a la vérité? Est-ce que c'est vrai? Je vous l'ai dit, hein? Est-ce que c'est vrai? C'est pour que vous vous testiez. C'est en fait cela où vous le donnez. Est-ce qu'il a la vérité? Est-ce que lui, il a ce qu'il dit? Ah, quand tu es comme ça, tu n'es pas de Dieu du tout. Et dans les choses de Dieu, tu ne tiendras jamais. Tu partiras un jour, peu importe l'état, mais tu partiras! Vous vous souvenez, quand nous parlions, le Seigneur a dit, mais pourquoi vous vous en allez pas, vous? Quand il a parlé cette parole-là, il était sûr et certain. Des Pierre, des Jean, des autres, pas des Judas. Non, il savait très bien, il a même dit. Mais il était sûr, il pouvait dire tout ce qu'il voulait. Pierre d'abord, il ne pouvait jamais bouger. Il était sûr de Pierre. Il a même dit, mais celui qui ne mange, mâche, c'était la chose la plus difficile. Il est bois mon sang. Impensable de pouvoir avoir une conception pareille. Mais il savait très bien que ceux-là, on peut tout faire, ils ne bougeront jamais. Les autres, ils savaient très bien qu'ils allaient s'en aller. C'est pour ça que c'est là vos scandalistes, ils l'ont laissé partir. Puis il pose encore la question, pourquoi vous ne partez pas aussi? Allez-vous-en. Il savait très bien que même s'il dit comme ça, il n'allait jamais bouger. Et puis Pierre qui répond, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Tu es dur. On sait, on entend, on a compris que ça, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est toi qui viens. Donc, la parole, la vie éternelle dont nous avons cru en toi, nous savons. Il parle de Jésus, notre Seigneur. Pourquoi, effectivement, il était impossible de séduire ces hommes-là. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Je n'ai pas tâtonné, je n'ai pas fait d'erreur. Non. Avant même que le monde soit, la chose était en vous. Amen. Mais qu'est-ce qui était en vous? Pourquoi un élu, Satan ne peut pas rentrer dans son intérieur? C'est impossible. Mais si toi, tu es toujours un peu à gauche, un peu à droite, pose-toi un peu la question. Nous ne sommes pas au début, nous sommes déjà à la fin de la chose. Parce qu'il faut qu'on soit positionné. Vous savez ce que c'est que positionner, non? Si aujourd'hui nous disons que nous sommes de l'épouse, c'est que nous sommes entrés dans le corps. Alors si tu es rentré dans le corps, tu dois avoir ta place. C'est quand tu as ta place dans le corps maintenant, tu fonctionnes non pas pour toi, mais pour le corps. Et qu'est-ce qui fait fonctionner le corps? Et vous savez ce qui fait fonctionner le corps? Il a dit, hein, nous avons tous été en effet abreuvés par un seul esprit ou forme. Parce que quand un corps est mort, effectivement, quand il n'y a pas d'esprit, le corps ne bouge pas. Par un seul esprit, il faut former un seul corps. Mais c'est quel esprit que nous avons reçu?
Donc c'est l'Esprit de Christ. Parce que c'est le corps de Christ. Et quand nous avons l'Esprit de Christ et que nous sommes dans le corps de Christ, chacun de nous sait sa place qu'il a. On ne peut pas venir le bouger pour le faire ceci et cela, non. Dans sa place qu'il a, que Dieu l'a placé effectivement dans le corps de Christ, il est impossible qu'il bouge de sa place. Est-ce qu'il est convaincu, assis là? C'est pour ça que lorsque nous sommes là-dedans, c'est que notre nature a été donc manifestée aussi. Et maintenant, nous savons ce qui est vrai. Et ce qui est faux. Parfois, vos sœurs, vos frères, qui êtes vraiment des fils et des filles de Dieu, vous me regardez ici toujours et vous me suivez bien. Il suffit simplement que vous entendez quelque chose qui a été donc apporté, prêché, même par quelqu'un de cet endroit. Vous sentez, mais ça sonne vraiment vrai avec Jésus, mais quelque part, ça ne rentre pas. Tu te poses la question, tu te dis, mais oh, pourquoi ça ne rentre pas? Vous savez pour quelle raison? Parce que dans vous, je parle bien de fils et de filles de Dieu, pas de tout le monde, s'il vous plaît. Et je crois bien qu'un fils de Dieu se reconnaît. Tu diras, je me reconnais, je sais pourquoi j'ai dit il se reconnaît. Pourquoi? Parce qu'au-dedans de lui, tu as placé ce qu'on appelle un trône de jugement. Ça veut dire que chaque chose qui vient, c'est en fait l'urim et thummim. Dedans, tout ce qu'on ramène, on ramène effectivement, ça vient, ça veut pénétrer maintenant, là ça passe par les tests. Si la lumière de l'arc-en-ciel sort, tout ça, toutes ces couleurs, évidemment, c'est sûr et certain, c'est de Dieu, ça passe. Si ça ne brille pas comme cela, ça ne passe pas. En fait, ça, ce n'est pas vous qui le faites. C'est ce que Dieu a fait en vous. Parce que si cela n'était pas en vous, vous avalerez n'importe quoi. C'est pour ça que quand vous êtes vraiment un fils, une fille de Dieu, beaucoup de gens ne vont pas vous apprécier. Je parle de vous, hein. Quand vous prenez vraiment position pour la parole de Dieu, beaucoup de gens, même des frères, même de soi-disant frères, ne vont pas vous apprécier beaucoup. Parce que vous devenez quoi en fait? Un jugement pour les autres. On va te dire, avec telle sœur, des choses comme ça, ça ne va pas passer. Mais avec celle-là, je sais que ça passera. Donc vous savez, elle est toujours comme ça, donc vous l'éviterez, mais avec l'autre-là, ça va passer. Pourquoi on vous écarte? Peut-être vous vous approchez des autres. Mais c'est à cause de ce que vous savez. Au-dedans de vous, en réalité. Ah, bref. Revenons à ça. Alors, comme, tu vas terminer parce que c'est là, comme nous voyons qu'effectivement, que, ce qui nous montre que nous sommes vraiment arrivés donc à la fin. Alors, l'écriture que nous venons de lire nous invite vraiment, pas tout le monde toujours. Il invite effectivement son peuple, comme il dit, cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça, c'est la bonté de l'Éternel à l'endroit de ceux qui sont donc à lui. Et puis il dit, qu'il est méchant, abandonne sa voie. Je vous l'ai dit l'autre fois, mon frère et ma soeur, quand on parle du méchant, on voit les gens de l'extérieur. Non, 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 il ne faut pas vous occuper des gens de l'extérieur. Non, 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 non. Ce sont les gens de l'intérieur. Regardez, psaume 50, nous le lisons encore avec vous, hein. Pour que vous puissiez comprendre quand cela, c'est important, mon frère et ma sœur. Il nous dit, ah, c'est ici que voilà. Et c'est dit que voilà, bon, c'est
Je prends un psaume 50 et verset 16. Psaume 50, verset 16, il dit, Dieu dit aux méchants, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Tous ces païens ici qui sont dehors, mon frère, qui vivent la vie des cochons, de ceci, de cela, ils n'ont pas l'alliance de Dieu à la bouche, mon frère, ils n'en ont pas. Ils n'ont même rien à voir avec la loi de l'État, mais ils fabriquent leur loi. Et si nous lisons ici au chapitre 50, verset 1, il dit Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre, du soleil levant jusqu'au soleil couchant, des Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il reste en silence, devant lui était un feu devorant, autour de lui une violente tempête, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Pour juger qui ça? Vous y êtes, non? Avec moi. Verset 5 dit Rassemblez-moi! Qui ont fait quoi? Par quoi? Et les cieux publieront quoi? Car c'est Dieu qui fait quoi? Écoute mon peuple et je ferai quoi? Merci. C'est comme ça, et Dieu dit aux méchants, il dit, mais quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu as mon alliance à la bouche. Toi qui détestes les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Mon frère et ma soeur, quand on te reprend selon la parole de Dieu, quand tu es un fils de Dieu, tu ne te justifies pas, tu ne discutes pas, tu dis Seigneur, merci. Tu reconnais ton état, ça c'est déjà un signe que tu as quelque chose de Dieu en toi. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est lui qui est vrai, quand le faux s'accroche à lui, il reconnaît. Les faux, c'est accroché à moi. Je n'en veux pas quand Dieu t'ouvre les yeux. Nous sommes tous des hommes, mon frère. Nous étions de leur nombre. Il est arrivé un moment où la lumière apparaît. Tu te regardais, Jésus, mon roi. Ça, tu sais, mon frère, que Dieu l'a fait pour toi. Tu sais, ma soeur, que cela s'est passé dans ta vie. Seigneur, oui, je ne savais pas, aie pitié de moi, parce que tu as au-dedans, tu étais un vrai. Mais les fous s'est accroché à toi. Alors tu as vu, et ça c'est vrai, et ça c'est faux. Alors je ne veux plus rien avoir avec les fous. Alors il dit, maintenant écoutez bien, il dit, toi qui détestes les avis, toi qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, hein, quelqu'un qui va faire des copes, oh frère, on va faire des copes. Toi, quel cope tu vas faire, frère? Est-ce que vous comprenez? C'est une façon de pouvoir parler comme le langage que vous dites. Et si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Vous entendez cela? Et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre. Et vous comprenez cela? Donc le fait de s'asseoir, effectivement, et tu as vu, il a fait, cette chose-là, ça suit ton âme. Je vous l'ai toujours dit ici, je voulais répéter Zacharie 8, depuis que, si Dieu m'a repris, c'était pour que je sois dehors, droit, non? Il dit que nul ou son cul ne pense du mal contre son prochain. Il faut parler droit. Soyez droit. À penser ni concevoir le mal. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas concevoir le mal. Ça, c'est. Alors il dit, tu livres ta bouche dans ton prix, il dit, mais tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère, voilà ce que tu as fait. Écoutez bien. Et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais maintenant je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Amen. Donc, nous devons comprendre qu'effectivement que nous avons même une responsabilité. C'est que quand Dieu nous accorde la grâce de pouvoir réellement nous placer dans qui est juste effectivement,
c'est aussi notre responsabilité de veiller. Et de veiller à ce que aucune chose étrangère, parce que nous savons que l'ennemi, donc l'adversaire, viendra à foison pour pouvoir réellement aussi introduire quelque chose de mauvais. Parce qu'il ne voudra jamais que tu puisses te tenir dans la présence de Dieu. Vous le savez cela. Alors, ça dit, mais cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. Mon désir et notre désir entre tous, c'est toujours de saisir les occasions pendant que le Seigneur nous donne la grâce d'être dans sa présence et qu'il soit là pour que nous puissions lui demander, Seigneur, rends-moi meilleur. Seigneur, aie pitié de moi. Ne passe pas outre comme Bartimée a crié après toi. Je t'en supplie parce que j'étais devenu tellement quelqu'un qui était indolent. La paresse. Je ne te priais pas comme il fallait. Seigneur, la force m'a manqué. Les habitudes de la vie ont pris place en toi. Seigneur, viens-moi en aide. J'ai saisi l'occasion. Moi, j'ai goûté combien tu es bon. Que le méchant abandonne sa foi. J'ai commencé à parler de frères. J'ai commencé à parler plus facilement de ceci. J'ai même oublié comment il faut vraiment te tenir, me tenir pour pouvoir te prier, Seigneur. Ma langue est devenue facile. Je prenais plaisir à pouvoir. Tu connais. Je vais à l'assemblée. Je trouve. Et vous savez. Je rentre à la maison. Je suis mes frères. Je suis mes soeurs par des rapportages. J'étais devenu la radio de publication de Satan parce que j'ai publié toujours les choses mauvaises. Alors que tu m'as dit que ma langue soit assaisonnée de sel. Seigneur, lave ma langue. Mon frère et ma soeur. Nous avons besoin de faire un examen au-dedans de nous et d'implorer la grâce de Dieu pour nous-mêmes. C'est bien de se sentir lavé, frère. Que Dieu te bénisse. Vous vous rendez compte qu'un homme qui a marché pendant des semaines, des jours, il a toujours les mêmes vêtements, les saletés, toujours, il a transpiré pendant des jours. Et il vient parmi les gens, il est toujours content d'être là comme ça. Non, ça me dérange. Tu te laves même pas. C'est pas possible. Mais les jours où tu vas être dans la baignoire, tu te laves complètement, tu te sens même léger. Toutes les saletés ont été débarrassées de toi. Tu te sens bien, tu as un vêtement, tu te sens bien. C'est-à-dire que cet homme se sent vraiment bien. Bien vraiment parce qu'il s'est lavé, il est propre, naturellement. Mais maintenant, si c'est ton intérieur, mon frère, tu as besoin d'être lavé. Je suis fatigué de parler de gens, du mal de mon frère, du mal de la soeur, peu importe ce qu'il a fait. Seigneur, je ne veux pas porter le péché de quelqu'un. Lave-moi, rends-moi pur, sanctifie-moi, rends-moi léger, parce que je te veux, Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous voulons que le Seigneur fasse dans notre vie. Surtout dans ces temps où nous sommes. Tout est souillé partout. Télévision souillée. Internet souillé. Garde mes yeux, mon Seigneur. Ne permets pas que nous tombions dans la tentation. Dans la prière, c'est dit. Mais préserve-nous du mal. Seigneur, aide-moi. Mais bon, non. Tendre Père et précieux Sauveur. Nous nous approchons de ton trône de grâce pour recevoir encore l'invitation que tu nous donnes, mon Sauveur. Nous te supplions, nous t'implorons la grâce de pouvoir nous aider. C'est vraiment notre désir, mon Sauveur. Nous saisissons cette grâce, cette occasion, parce que la Bible nous dit que nous devons te chercher pendant que tu te trouves. Oh, Jésus, vraiment, nous implorons ta grâce. Nous ne voulons pas commencer ce moment ainsi, Père Tout-Puissant, à pouvoir te prier que demain après-demain, nous puissions relâcher, Seigneur. Que demain après-demain, nous faiblissons, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Nous voulons que ce rythme continue, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Et quand nous venons dans ta maison à toi, nous voulons vraiment nous préparer, même dans nos maisons, même dans le lieu de travail, mon roi. Seigneur, que tu sois toujours le premier. Amène-nous, aide-nous, Père Saint-Dieu, à prendre effectivement aussi, Père Tout-Puissant, cette manière de
vie, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Cette nouveauté de vie, bénémoine Père Tibissant. Agis comme tu le veux. Avoir la foi, bénémoine Père Saint-Dieu. À croire davantage, mon roi. Aide-nous, Père Saint, pour que cette foi puisse vraiment permettre de commenter encore davantage, mon roi. Seigneur, nous implorons ta grâce, mon sauveur. Oh, nous te supplions encore cet après-midi. Ne nous laisse pas, mon sauveur. Nous ne sommes pas satisfaits de nous-mêmes, mon roi. Nous ne sommes pas satisfaits, bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es le Dieu qui guérit parfaitement et complètement, mon roi. Tu es le Dieu qui fait des choses à merveille. Tu n'es pas incapable, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu as la capacité, Père Dieu, d'agir, de rendre Père Tibissant, de délivrer, Père Saint-Dieu, de manifester encore ta vie encore dans notre vie, bénémoine Père Tibissant-Dieu. Que notre vie disparaisse, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Oh Dieu, que ce ne soit pas simplement que nous avons eu pour avoir cela, Père Saint-Dieu, que demain nous changeons et que nous revenions encore à nos anciennes habitudes, mon bénémoine Père. Nous te supplions, mon roi. Viens-nous en aide, mon bénémoine Père Tibissant. Donne-nous, Père Tibissant, Dieu, cet désir, Père Tibissant, cet esprit de prière, de consécration, mon roi, de respect, bénémoine Père, oh Dieu, de crainte encore davantage, mon roi, dans tous les services, bénémoine Père Saint-Dieu. Souviens-toi. Nous le voulons, mon sauveur. Nous le voulons, mon sauveur béni. Parce que c'est cela qui te plaît, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Tu l'as dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de pouvoir comprendre, de prier, de chercher ma face, mon Dieu. Il a fait, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Et c'est comme ça que tu as entendu sa prière. Il n'est pas resté simplement un jour, mais il a continué des jours, des semaines, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Cet homme, il a persévéré, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Ne nous laisse pas, mon roi. Que cela soit ainsi, Père. Oh, nous approchons de notre Dieu, le Dieu qui purifie, le Dieu qui sanctifie, mon roi, le Dieu qui remplit encore davantage, mon sauveur. Nous nous approchons de toi. Nous te désirons, Père oh Dieu, que tu prennes vraiment possession davantage de chacun de nous, Père oh Dieu. Que notre vie reflète ce que toi, tu attends de nous, Père oh Dieu. C'est pour ça que nous revenons, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te cherchons, bénémoine Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te désirons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Merci, sauveur. Gloire à toi. Merci pour ce que tu fais, Père. Merci. Merci. Tu vis. Et tu conduis encore et tu soutiens mon sauveur. Merci. Merci, Père. Sois béni, sois exalté. Merci, Père. Pour ta bonté, mon sauveur. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma sœur, oh Dieu, qui t'aime autant, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Père Saint, mais tu vois sa faiblesse, mon bénémoine Père Tibissant. Il ne veut pas cela, mon bénémoine Père, parce que c'est un fils de Dieu. C'est une fille de Dieu, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Il en soit délivré complètement, mon bénémoine Père, oh Dieu. Que sa vie, Père Saint-Dieu, soit vraiment conforme à ta volonté, mon bénémoine Père, oh Dieu. Tu es le roi. Merci, Seigneur. Pas commencer par l'esprit et terminer par la chair, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi, mon sauveur. Nous te désirons, mon roi. Que notre vie te plaise, mon roi. C'est pour te plaire que nous sommes là. Je t'en supplie. La vérité, la pureté, la sainteté, mon bénémoine Père Tibissant, il convient donc à ta maison, Seigneur. Merci pour la guérison que tu as accordée, Père Tibissant. Merci vraiment du fin fond de mon cœur, mon roi. Tu as renouvelé la force, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Parce que tu es vivant, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu es le roi, mon Seigneur. Nous nous inclinons. Ta puissance n'a pas de limite, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous la croyons, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni. Merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions, mon sauveur. Pardonne. Pardonne et soutiens-nous. Et accorde-nous cela, mon sauveur. Merci encore. Merci. Change nos cœurs et nos vies. Transforme-nous.
Oui, mon Père. Ce que tu nous as donné demeure le don que tu nous as donné, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et nous voulons l'utiliser pour ta gloire et pour ton service, mon bénémoine Père. Nous ne voulons pas nous occuper de ceux du dehors. Nous nous occupons de toi et de ceux que tu nous as donnés, bénémoine Père Saint-Dieu. Oui, mon Sauveur béni. Oui, la gloire et l'honneur te reviennent, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu donnes la maternité à ceux qui ont le désir, mon roi, parce que tu as dit que lorsque tu as créé l'homme, la femme, tu as dit qu'il soit fécond et qu'il puisse multiplier, Seigneur. Oh, bénémoine Père Saint, je t'implore encore cette grâce, mon roi, qu'il n'y ait pas de stérile, Père Tissant, ni d'hommes, ni de femmes, au nom de Jésus-Christ, Père Saint-Dieu. Que les hommes puissent être patibissants aussi. Fécond, mon bénémoine Père Dieu, et multiplier comme tu l'as dit. Oui, Père, tu l'as dit et tu le fais, mon bénémoine Père. L'honneur se revient encore aujourd'hui parce que tu es roi. Merci. Merci, mon Sauveur. L'honneur te revient encore aujourd'hui. Et la gloire te revient aussi. Merci mon Père. Merci mon Seigneur Jésus. Oh, louange et honneur à toi. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père. Merci. Bénis tes enfants et ton peuple, mon roi. Nous revenons tous à toi, mon Seigneur. Que tu sois le maître en cet endroit et dans tous les domaines de notre vie. Je te remercie, Père. Merci. Merci, mon Père. C'est ton peuple. Il a la victoire que tu lui as donnée, Seigneur. Il a la puissance que tu lui as donnée, bénémoine Père Saint-Dieu. Oh, Père Saint, dans sa vie, mon roi, et dans tous les domaines, dans tous les lieux, il pourra passer parce que c'est ta main puissante qui conduit et qui éclaire encore davantage, mon roi. Il est à toi, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Qu'il soit fort, mon bénémoine Père Tissant. Oui, Père, pour la gloire de ton Saint-Nom, mon roi. Je te remercie, Père. Que tout ce qui est nébuleux, Père Saint-Dieu, soit ôté davantage. Nous revenons au Seigneur Jésus. Et ton peuple revient, mon roi. Et merci encore. Et merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. D'avoir été ici dans ta maison, Père Saint-Dieu. Protège-nous encore. Et demain, nous voulons revenir encore avec autant de zèle pour toi, Père Saint-Dieu. Te glorifier encore pour ta bonté. Sois béni. Sois exalté. Merci pour ce que tu es. Merci pour tout. Merci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu notre Seigneur vous bénisse richement. Soyez fort parce que vous l'êtes et vous devez l'être encore. Qu'il vous bénisse. Alors, il y a ce cantique 10 000 âmes dans un second. Ah, ah là là, si vraiment on les chante en connaissance qu'il est. Que Dieu vous bénisse. Merci. Viens, mon gros. Merci. Pour te dire merci, reçois.